Magnifique intro. Hein. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, ce sera un vidéo test sur Vigilante 8. Vigilante 8 normal. Hein. Parce qu'il y a Vigilante 8 et Vigilante 8 Seconde Offense, qui sera en fait sa suite, qui sortira, je crois, l'année ou deux ans après. Hein. Donc, magnifique intro, je disais, avec la destruction du véhicule de Convoy, le gars avec le camion. Hein. Dans la scène d'intro de Vigilante 8 Seconde Offense, c'est pareil, son camion se fait totalement détruire. Hein. C'est une marque de fabrique de la série. Hein. Alors, Vigilante 8, qu'est-ce que c'est donc que ça, vous allez me dire? Alors, vous prenez Twisted Metal, si vous connaissez, vous l'améliorez largement, et vous obtenez Vigilante 8. Pourquoi est-ce que je dis que vous l'améliorez? Parce que je trouve que Vigilante 8 a plus de... a plus de finition, on va dire. L'ambiance de des Twisted Metal est plus, on va dire, sombre, gore, loufoque dans le sens noir du terme. Mais niveau finition, je trouve que c'est pas très bon. Au niveau des graphismes, je trouve que c'est hyper moyen. Au niveau de la tenue de route, par exemple, c'est vraiment risible comparé à un Vigilante 8. Donc voilà, si vous aimez bien ce genre qui est un petit peu des jeux de voiture avec de l'action, je vous conseille largement les Vigilante 8 et oubliez totalement les Twisted Metal. Hein. Bref, donc, alors pourquoi je vous fais une vidéo de ce jeu là? Parce que j'adore ce jeu là, c'est un jeu de mon enfance et je me suis dit que ce serait bien de vous le faire découvrir. Donc alors, comment ça se passe? Donc vous voyez, hein, Vigilante 8, en fait, il y a plusieurs personnages. Chaque personnage possède son véhicule. Et chaque personnage possède son histoire. Donc il y aura un scénario, un début et une fin. Donc par exemple, là, on fait le jeu. Dès que vous avez fini le scénario avec un des personnages, ben, vous débloquez, vous voyez, une sorte de dalle ouverte. Et vous pouvez avoir accès au personnage. Donc avoir accès à sa cinématique de fin et donc et voilà quoi, la fin du scénario. Et si vous terminez le jeu avec plusieurs personnages, ben vous en débloquez de nouveaux, comme un petit peu dans les Tekken, tout dans le genre quoi. Ça reprend beaucoup le principe là, hein. Vous débloquez des nouveaux niveaux, des nouveaux personnages, et à chaque fois votre personnage a une scène de cinématique à la fin. Donc par exemple, je vais en prendre une au pif. Ah ouais, on va prendre celui-là. Bon, Beeswax, c'est un gars qui avait un élevage d'abeilles, hein, mais que dû
à des retombées nucléaires a rendu les ça a rendu les ces abeilles ça hyper agressif et hyper dangereuse quoi. Donc allez, on va voir ça, c'est une pratique de fin. Ceci est un fail. J'adore la cinématique de fin parce que c'est les méchants, on voit que c'est des méchants et donc qu'en général ils vont perdre. Et les gentils, c'est les gentils, donc ça va bien terminer. À part un, mais je dirais pas qui c'est. Donc on va aussi voir Boogie. Boogie, c'est un ennemi. En haut à droite, tout ce qui est là à droite, c'est les coyotes et à gauche, c'est les vigilantes. Ouais, je crois. La droite, c'est les coyotes. Hein. Et alors Boogie. Alors Boogie, c'est un personnage qui est très axé disco, mais qui a fait beaucoup de délits quoi. Ils sont d'or au volant, ils se sont arrêtés, voilà, fin du personnage, on va dire. Enfin bref, voilà, j'en vais encore passer un petit dernier, un d'un gentil cette fois. Ah ouais, Dave, c'est le fou des extraterrestres, le hippie de base quoi. Bref, allez, je vous laisse spoiler comme ça. Enfin, spoiler, c'est pas vraiment du spoil, hein, vu que bon, il y a un scénario, mais il est assez peu développé, on va dire. Hein, vous n'avez pas raté grand chose hein, si je vous montre ça. Hein. Donc, alors, ce jeu a plusieurs modes. Il y a un mode donc coopération. Donc, en gros, vous êtes vous et un de vos potes contre deux ou trois ennemis, je crois, hein, donc que vous devez tuer et survivre. Et le mode contre, c'est vous êtes vous contre votre pote, voilà. Donc ça c'est basique, hein. La version 1 joueur, il y a l'arcade, donc c'est vous contre les ennemis et vous devez les tuer. Et le mode quête, qui est le mode scénario en fait, voilà. Il faut noter que dans la version Vigilante 8 de Nintendo 64, c'est la version la plus finie au niveau des graphismes et au niveau de la jouabilité. Vous aurez donc un mode RIX, il me semble, que en gros vous pouvez jouer à 4, un contre l'autre, c'est chacun pour sa gueule, soit qui gagne, mais elle a gagné. Et aussi un autre mode où vous êtes à 3, je crois, contre des ennemis, comme ça quoi. En gros, ça rajoute plus de. Vu qu'il y a plus de joueurs, ben, ça rajoute plus de modes au niveau du multi quoi. Hein. Et je crois qu'il y a aussi un mode survie. En gros, vous devez. Enfin, les ennemis viennent à l'infini et vous devez survivre le plus longtemps possible quoi. Et c'est assez chaud. Hein. Bref, allez, je vais commencer le mode quête pour vous montrer un petit peu comment ça se passe et ensuite je vous ferai le mode arcade. Voilà. Donc, alors, nous avons différents personnages. Ça, c'est les vigilantes, ça, c'est les coyotes. Voilà. Donc, chaque personnage possède sa vitesse de pointe, possède une défense et de l'énergie qui lui est propre et aussi une accélération qui lui est propre. Donc, ici, on voit que c'est un personnage qui est assez rapide mais qui a une défense moyenne. Là, c'est un personnage qui est assez. Qu'on a ça. Ah non, j'ai oublié de vous parler un truc. Vous voyez la troisième icône là, c'est un réticule de visée. En gros, c'est plus la barre est élevée au niveau de cette stat, plus votre véhicule sera difficile à toucher. Parce que c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Votre véhicule, plus il est grand, plus il a de chances de se faire toucher. Par exemple, là, vous voyez le véhicule de Sheila, il est hyper petit, donc regardez ça. Le fait de la toucher, ce sera hyper difficile quoi. Hein. Par contre, là, il est un peu plus grand, donc il sera plus facile à le toucher.
Et le pire, c'est Convoy, hein, avec le bus. Il a une résistance qui est énorme, une vitesse qui est moyenne, mais pour le toucher, c'est hyper simple. Et c'est encore pire dans le 2, parce que dans le 2, c'est un semi-remorque, sauf que le problème qu'il y a, c'est qu'il a une remorque avec lui. Donc, le truc, il est hyper grand, mais il a un bon spécial. Voilà, donc, ça va. Bon, alors, avec qui je vais faire le jeu? Je voulais prendre un personnage lourd pour vous montrer un petit peu la physique. Un personnage lourd, un personnage lourd. Non. Attendez. Je n'aime pas lui. Oui, c'est quoi? On va prendre Convoy. Convoy ne va pas se laisser faire sans rien Ah dire. oui, le jeu est traduit en français. Donc, comme vous voyez, il y a 4 niveaux. Donc, dans chaque niveau, le but sera de tuer les ennemis. Le truc qu'il y a, c'est que enfin, plus vous avancez, plus ça sera difficile. Au début, c'est un ennemi, après deux, après trois. Après, vous en avez, je crois, trois tués, plus un qui sera spécial, qui sera votre ennemi votre ennemi définitif, quoi. Enfin, comment dire ça, votre rival, on va dire. Voilà. Chaque personnage a son rival et vous devez le tuer. Allez, on va commencer. Et on va enfin rentrer dans le vif du sujet, hein, vu qu'on est déjà à 10 minutes et j'ai encore pas montré le truc. Ah oui, il y a aussi des petits objectifs secondaires. Là, par exemple, c'est protéger la gare ferroviaire. Donc, en gros, si elle se détruire, ben, c'est fini. Convoy veut faire la fête aux coyotes. Quand il apprend où il se terre au Nouveau-Mexique, il décide de rendre visite à Sid. Sid, c'est le chef des coyotes. Pourvu que cette ordure soit en ville. Allez, c'est parti. Donc on commence avec quelques armes. C'est sympa ça. Donc attendez. Hop, tu vas crever. Oh, je tire dans le vent depuis avant. Putain, il y a un barreau qui est juste devant moi, j'ai même pas vu. Et voilà, c'est fini. Bon, vous allez me dire quoi déjà? Mais on avait des armes de base, hein. En général ce qu'on doit faire, on doit prendre les armes. Ça pouvait pas se terminer autrement. Piétendre. Fini en 36 secondes. Coup multiple 5. Ouais, ça allait assez rapidement parce que ben, il y avait qu'un ennemi, on avait déjà des armes de base quoi. Là ça va être un peu plus chaud, vu qu'on aura je crois juste un flingue ou quasiment rien, je crois. Hein. Donc quel est l'objectif de ce niveau? Il faut protéger la station-service. Ah ok, elle est au-dessus. Sid est introuvable et ses foutus coyotes ont des flingues impressionnants. Convoy part pour l'Utah où il doit rejoindre Torque. Dans les canyons, une embuscade. Donc au niveau du scénario, c'est on est les gentils. Mais vu qu'il n'y a plus beaucoup de pétrole, enfin vu qu'il n'y a plus beaucoup de... comment dire? Là. Vu qu'il n'y a plus pas beaucoup de là, tu voles d'autorité, ben c'est les vigilantes qui font la loi quoi. Je peux pas tirer quoi. Donc allez, je parle un petit peu maintenant du gameplay. Alors, vous avez vu, franchement le jeu il est pas moche, mais il a comment dire ça, il a quand même des destructions des véhicules qui se verront au fur et à mesure qu'on perd de la vie. Hein. Là par exemple, vous voyez, j'ai perdu un de mes trucs en métal là. Donc alors, au niveau des armes, il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a presque je crois, 8 ou un truc comme ça, 7-8. Et il y a beaucoup de stages. Et dans chaque stage, il y a des, comment dire, des particularités. Par exemple là, si je vais là, il n'y a rien qui se passe. Mais si j'attends qu'il y ait des sortes de petites lumières qui arrivent, ben, je vais me faire téléporter dans une autre partie du niveau. Donc, dans chaque stage, il y a des trucs comme ça, des petites particularités qu'il faut connaître, quoi. Hein. Ensuite, quand vous détruisez des objets du décor, vous avez des chances d'avoir des objets ou de la vie. Donc, voilà. Il y a aussi plusieurs... Ah bah voilà. Je me suis téléporté et j'ai reçu mon spécial. Donc là, je me fais téléporter assez loin. Il y a des missiles qui essaient de me tuer. C'est fait. Bon, ici, il n'y a que dalle. On va se casser. Attendez, j'ai vu un objet là-bas. Ok, il y a rien. Je vais mettre ça. Je vais foutre des mines par terre.
Voilà. Donc, comme je le dis, oh là, ça faut faire gaffe, ça peut nous tuer en un coup. Wow. La chance. Oui, donc il y a plusieurs armes. Mais la particularité de ce jeu, vis-à-vis d'un, par exemple, d'un Twisted Metal, c'est que les armes ont différentes utilités. Par exemple, cette arme-là, si je tire normalement, elle va tirer par exemple juste des petites roquettes comme ça, des missiles autoguidés. Mais le truc, c'est que si vous faites une combinaison de touches, l'effet sera différent. Oh là, j'ai 48, putain. Donc l'effet sera différent. Dans le sens où, je vais vous montrer ça, j'appuie sur OOO et bouton. Et le bouton, comment dire ça, de la mitrailleuse, hein, c'est l'arme, c'est pas une arme, hein, c'est juste une petite mitrailleuse qui va enlever quelques dégâts. Je fais donc OOO et vous allez voir ce qui va se passer. Attendez. Mais, ah voilà, ici c'est bon. OOO et voilà, j'aurai un boost. Vous voyez ? Et ça va utiliser deux balles de missiles. Si je fais par exemple OO droite, OO bas, ça va faire une sorte de faisceau qui va prendre les dégâts à ma place. Regardez, à la place de toucher moi, ça va toucher le missile. Vous voyez ? Et chaque arme a son utilité et peut être utilisée jusqu'à deux fois d'une manière différente. Dans Vigilante 8 secondes au fond, ce ne sera pas 2, ce sera 3. Donc ce sera encore mieux quoi. Je récupère un petit peu de vie. Voilà. Donc au niveau des vies, au niveau de la vue, vous avez vu, vous avez deux vues, hein, c'est la vue au volant, comme si vous y croirez. Hein. Je trouve que c'est vraiment bien foutu hein, pour l'époque. Et la vue normale, quoi. Je préfère la vue normale parce qu'ici c'est un petit peu trop brouillon. Mais voilà, c'est bien modélisé hein, au niveau du volant, de la main. Je trouve que c'est vraiment pas mal foutu, quoi. Hein. Bref, allez, on passe à l'attaque. Donc comme je lui ai dit, chaque personnage est différent parce qu'ils ont ses propres véhicules, mais aussi c'est leurs propres armes. Donc là, je vais vous montrer ça. Là j'ai reçu un spécial. En gros, le spécial c'est une arme qui est propre au personnage que vous avez. Donc là par exemple, moi ce que je fais, ça balance un pneu autoguidé qui va exploser dès qu'il touchera sa cible. Donc vous allez voir, je vais le balancer. Voilà. Et le pneu va avancer jusqu'à aller vers sa cible qui est juste devant moi. Ah, vous l'avez vu, là, il vole, là, le pneu. Mettez-y arriver. Allez, allez, touche-le. Faut juste pas que j'ai touché la gare routière, parce que c'est mon objectif. Est-ce que je l'ai eu? Il était bloqué, le pneu. Ah, voilà, je l'ai eu, vous avez vu? Ah, maintenant, je vais détruire. Ouf, je lui ai fait mal, là. Je vais changer de cible, et je vais de nouveau utiliser mon spécial. Par ici, mon coup. Maintenant, boum! Les prochaines bousillées. Faut vraiment faire gaffe à ces rochers parce qu'ils peuvent nous tuer en un coup si vous êtes vraiment pas. Si vous êtes vraiment pas chanceux. Ils vous écrasent et vous perdez toute votre vie en fait. Oh, putain, je tombe sur mes propres mines quoi. Donc là. Je crois qu'on peut bouger. Ah non, ça ne peut pas bouger. Oui, donc vous avez vu, chaque niveau est différent aussi, car il y a des décors qui sont différents, bien sûr, mais aussi ils ont des particularités distinctes à chaque fois. Bon, par exemple, vous aurez des points. Là, par exemple, vous aurez des points où il y aura de la vie, généralement. Et parfois, ça peut être pas de la vie, ça peut être des bonus qui sont, par exemple, des, je sais pas moi, des x2, les sortes de X qu'on avait vu avant, ou encore les sortes de diamants verts qui nous rendent invulnérables. Et donc, par exemple, je vais vous montrer un point qui est, je vais pas dire qui est connu, mais qui est fixe au niveau de l'objet. Hein. Merde. Ah, cool, j'ai reçu une mission. Voilà. On peut avoir trois objets dans le jeu. Hein. Donc là, j'ai reçu un petit bonus d'invulnérabilité. Là, regardez, là, je l'ai à la station service. Et si je me souviens bien, il y a une sorte de. Si je dis pas de conneries. Ah non, il faut le détruire pour l'avoir. Merde. En gros, si je détruis la station service, j'aurai une clé à molette. La clé à molette, ça me rend de la vie. Bref, allez. Je vais vous parler un petit peu plus des armes. Donc comme je l'ai dit, les armes possèdent différentes utilisations. Là par exemple, c'est un mortier. Le mortier veut tirer ça une fois, ça va juste tirer des trucs normales quoi. Mais maintenant regardez, je vais faire baba-o. Baba-o. Ça va tirer un mortier jaune et regardez ce que ça va faire. Boum. Ça va créer un cratère
et ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de dégâts. Hein. Mais le truc qu'il y a, c'est que ça use 5 balles à la place de 1. Regardez, attention, boum. Je peux aussi faire bababa, bababa, et ça va tirer le coup de la tortue, ça va le retourner en réalité. Vous voyez. Et je peux même faire des combos. Je fais bababa, tac, et un coup normal. Sans tirer deux d'affilée. Et attention, boum, boum. Normalement, il y a qui x1. Ah, c'est pas le cas. Ok, toujours pas. Bon, tant pis. Et là, maintenant, je parle un petit peu de ce missile-là. C'est un missile qui est pas auto-guidé. Hein, donc, vous le tirez, et, voilà quoi. Hein. Là, je vais faire bas, haut, haut. Non, haut, bas, bas. En gros, ce que ça va faire, ça va tirer une sorte de missile qui va pas exploser, mais qui va faire une pression. Vous allez voir. Boum, je l'ai eu. Regardez, maintenant, il peut plus contrôler son véhicule, parce qu'il y a une pression qui va vers la droite. Vers la gauche, je veux dire. Normalement, si, il va s'envoler s'il fait rien. Double 2. Et tu es mort. Hop là. School bus détruit. Enfin voilà, il y a beaucoup de possibilités de tuer les gens et de manières de faire quoi. Hein. Ça pouvait pas se terminer autrement. Pied tendre. Voilà. Ce qui est bien aussi avec ce jeu-là, c'est que si vous avez, si vous n'avez pas de carte mémoire, vous pouvez avoir un mot de passe quoi, qui vous permettra d'avoir les mêmes personnages, la même progression que vous avez eu avant quoi. Hein. Allez, on va passer au troisième niveau, la station de ski. Donc franchement, ce jeu, il est hyper dynamique, il est hyper bien. Graphiquement, il a quand même bien vieilli, hein, mais je trouve qu'il s'en sort pas mal encore. Hein. Au niveau de la maniabilité, c'est vraiment, vraiment... Enfin, c'est typé arcade, mais il y a quand même des petites touches de simulation, quoi. Là, par exemple, j'appuie sur la croix normale, donc pour avancer. Mais si je maintiens le bouton haut et j'appuie plein de fois sur croix, regardez ce que ça va faire. Il y aura des petites accélérations. C'est comme si on donnait un coup de boost, quoi. Et ça rend le truc plus réaliste et plus... Oula, je vais pas prendre la vie. Oh, l'enfoiré, il a pris ma place. Tu vas crever, connard. Coup x 1, vous avez vu, là, j'ai reçu un combo. Et tire de nulle part. Voilà, casse-toi. Un instant. Voilà, je suis de retour. Donc, et là, j'ai eu le droit à un spécial, magnifique. Oui, donc je disais... coup d'un spécial. Explose. J'ai l'impression qu'il dit ça. Ouais, donc il y a plusieurs manières de tuer les gens, et c'est vraiment appréciable quand il y a... L'enfoiré. Tu vas voler. Là, ce que j'ai fait... Oula. J'ai fait bas au bas. Et merde, et merde, et merde, et merde, et merde, et pouah, vous avez vu, il s'est fait one shot à cause de l'avalanche, et lui, et lui, il a rien eu, ce con. Au niveau de la physique, je trouve que ce jeu, il est vraiment, vraiment bien fait, hein. On voit qu'il y a une tenue de route, que vous freinez, ben, il freine, enfin, c'est, alors, je freine, là, 5 minutes de temps, vous voyez, ça s'arrête pas net, donc c'est de l'arcade, mais c'est aussi un petit peu typé simulation, on a les, je vais pas dire les mêmes sensations, mais on possède les, comment dire, les, ouah, je me fais enchaîner là, mon pneu qui est juste à côté, on a les, comment dire ça, on a des petits aspects de simulation qui sont vraiment appréciables, parce que votre jeu, enfin le jeu, il sera plus agréable à jouer quoi, plus vivant on va dire. Ce qui est pas le cas de Twisted Metal, que si vous y jouez, ben, vous n'allez pas avoir ce genre de tenue de route, tout comme ça quoi. Vous avancez, vous freinez, ben vous arrêtez net quoi, quasiment. Merde, il m'a envoyé des abeilles. J'ai entendu quelqu'un parler. Non, je vais envoyer un petit... Voilà, j'ai envoyé mon truc jaune, et à place m'attaquer moi, il va attaquer le truc jaune. Vous voyez. Mes abeilles tueuses. Eh ben non, tu m'auras pas avec tes abeilles tueuses. Allez, on se casse de là. Je vais prendre des munitions. Tueuse. Voilà. Donc il y a plusieurs types de bonus, comme je le dis, hein, le x2 ça multiplie les dégâts x2. Les ben ça, hein, le seul truc jaune, c'est en fait ce que ça fait, ça casse un petit peu le. Ah cool ça, il me le faut. Ça casse
les cibles, enfin comment dire ça, ça rajoute de la difficulté aux ennemis pour vous toucher. Et ça c'est un truc qui rend pas mal. Vous voyez, je peux prendre le ferry, je crois que non, c'est comment ça s'appelle encore, le truc quoi, hein. J'ai oublié le nom. Et vous pouvez partir à tout moment. Là, je pars et hop là. Et ce qui est bien avec ça, c'est que ça vous permet d'avoir des nouveaux objets et et de la vie parfois, si vous êtes chanceux. Là par exemple, attendez, j'ai perdu un objet, je vais récupérer. Je vais vous montrer. Hop là, si vous allez ici, vous détruisez ça et qu'est-ce que j'aurai? De la vie. Je peux reprendre de nouveau le même truc quoi. Et ça me permettra de remonter plus facilement. Ensuite, il y a dans ce jeu-là, il y a des trucs à prendre en compte au niveau. Là, ça tombe pas mal là. Au niveau de la. Du design des maps, c'est qu'il y a parfois des trucs que l'on peut détruire pour activer des events, on va dire. Vous avez vu avant, il y a eu une avalanche. Je sais plus si on peut l'activer comme ça, ou si c'est le fait comment ça? Ou si c'est le fait de détruire ce genre de. Des trucs de neige là. Oula. Et merde, je me suis fait avoir par le spécial. Ah ouais, je pourrais rien faire là. Ça c'est le spécial qui a les abeilles mutantes là. Je vais en détruire une pour voir si ça le fait. Et tu attaques, oui. Voilà. Je vais voir, je suis plus sûr. Hein. On va voir à gauche. Oh putain. Allez, je vais utiliser mon boost pour me sortir de là. Putain. Je suis plus vite à un coup. Il a que ça n'empêche, hein. Les abeilles tueuses, il fait que ça. Moi, je vais me venger. Donc il y a un système de combo qui est pris en compte dans ce jeu-là aussi. Hein. Regardez, regardez sa vie en haut à gauche. Ça me le faut. Regardez la vie en bas à gauche, c'est la cible que nous avons actuellement. Hein. Si on peut faire des combos et si on en fait, la vie peut partir hyper hyper vite quoi. Putain mais il a combien de spéciales? C'est moi le 8ème qui lance là. Je vais faire pareil, hein, je vais lancer le spécial en pleine gueule. Et je vais lui faire un combo, vous allez voir. Boum, 5 missiles d'affilée. Hop là. J'ai pas fait de trucs là. Parce que dès qu'il y a un combo, il fait coup fois 1. T'es mort. Boum. Et là pour le tuer, je fais normalement. Oh baba. Là, ça l'achève. Et merde, j'ai raté. En gros, quand il fait comme ça, c'est-à-dire qu'il est mort. Et vous pouvez l'humilier un petit peu comme une sorte de fatality. Et si vous utilisez une attaque qui. Comment dire ça? Qui. Oh, il y a une avalanche. Lui il est con. Si vous utilisez une attaque qui spéciale, donc un spécial ou même une technique spéciale d'une arme, par exemple Baoba ou Bababa, ben, le véhicule va complètement exploser et il va être bousillé. Voilà. Et c'est une sorte de petite fatality à la Mortal Kombat quoi. Allez, on avance. Voilà. Donc il a des mortiers. J'aime pas trop les mortiers vu que je suis un véhicule qui est assez lourd. Je me fais facilement toucher par ça. Donc là par exemple, je vais utiliser différentes armes. Regardez, j'ai 12 munitions. Je vais faire une attaque qui est le bababa. Regardez ce que ça va faire. Ah, coup fois 1. Attention, regardez sa vie en bas à gauche. Attention. Vous avez vu? J'ai tiré 6 missiles d'un coup là. Et maintenant je vais faire plusieurs combos. Vous allez voir. Ah non, il a pris ça maintenant. Attention, il va voler. Mais. Et merde, il a pas voulu faire. Tant pis. Là, j'aurais dû faire Baoba. Le bouton, ça a pas fait. Ça n'a pas fait ce que je voulais faire. Ça pouvait pas se terminer autrement. Piétendre. Donc, niveau durée de vie, le jeu, je vais pas dire qu'elle est infinie, mais vous allez faire le scénario, vous en aurez pour environ 5 à 6 heures au niveau du scénario.
Et ensuite, vous aurez le multi, hein, qui est quasiment crevable. Si vous avez un pote qui adore ce jeu-là, vous pouvez jouer en 1 contre 1, en coopération, etc. etc. quoi. Oh là, les cuves de pétrole, non, cette chose. Donc, ça, c'est le dernier niveau du scénario. Donc, là, franchement, le jeu-là, c'est un jeu, je vais pas dire à avoir, mais c'est un jeu que si vous êtes des potes et qu'ils aiment bien apprendre, enfin, apprendre, connaître de nouveaux jeux, ben, faites leur montrer ça. Et même s'ils aiment pas les jeux de course, moi, j'aime pas les jeux de course, ils vont adorer parce que c'est un jeu qui est hyper dynamique et qui peut être plaisant à jouer à plusieurs, quoi. Hein. Vous pouvez faire des petits tournois. Toi, je te tue, et maintenant que tu m'as tué, ben, tu vas contre l'autre, un petit peu comme un jeu de combat. Voilà. Donc, allez, on avance. Parce que là, ils sont 3 contre moi, là. Hein. Allez, je vais partir et je vais prendre un truc spécial. Là, par exemple, si je passe, je vais le cramer. Moi, il y a une technique, il faut détruire d'abord ça. Et dès que vous le détruisez, vous pouvez passer. Voilà. Mais parfois, il y aura comme une gerbe de feu qui va sortir de temps en temps. Là, il s'est fait toucher, là. Allez, bas au bas. Bas au bas. Voilà. J'ai fait un coup x1, vous avez vu. Regardez, il va rouler. Hop là! Hasta la vista, bus bus. Allez, on continue. Et au niveau du son, ça c'est un truc qu'il faut aussi que je vous en parle. Hein. Les musiques sont vraiment typées années 80, boogie, funky, etc. quoi, hein. Et ça fait plaisir. La bande son, elle est vraiment géniale. Hein. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez changer. Vous pouvez lancer une partie et changer le CD et mettre une musique que. Enfin un album que vous aimez bien. Par exemple, si vous voulez, vous pouvez mettre du Linkin Park par exemple. Ah tiens, je crois que je vais faire ça après. Je vais essayer, tiens. J'ai un album de Linkin Park qui traîne dans le coin, je vais vous mettre ça et je jouerai en même temps la partie quoi. Allez. Lui il va me faire chier. Et tu voles. Voilà, je lui fais bas au bas. Hein. Et je vais lancer un petit spécial aussi. Et merde, il m'a de nouveau lancé des abeilles. Je vais lancer c'est le flair machin là. En gros, ce que ça fait, ça brouille ça crée une chaleur pour comme ça peut diriger les armes à tête chercheuse dessus quoi. Allez, ici, je vais le tuer, je pense. Et merde, faut que je me casse. Il faut que je me casse. Et merde, je me suis fait avoir. Ça, c'est un spécial de Boogie, ça. En fait, ce que ça fait, ça tire plein de. Ça fait sortir une sorte de boule à facettes et il va tirer des trucs de boogie quoi. Et merde. Oui, j'ai réussi à m'enfuir. Vous avez vu, j'ai utilisé comment dire. Et merde, une missile là et j'ai pu éviter des coups. Bon, faut pas trop que je reste là parce que si je reste là, ils vont me toucher et ils vont détruire les cuves. Et ça peut être un game over. Ils auraient pas la mission qui sera accomplie quoi. Il faut quand même de la vie. Donc je vais juste prendre un spécial et je me casse. Donc ici il faut faire gaffe. Il faut aller doucement. Voilà. Et un peu là. Niveau graphique, j'ai oublié de vous en parler, mais regardez au fond. Là c'est un petit peu. Plus vous allez vous approcher, et plus il y aura les détails qui vont apparaître. Bon, ça c'est typique des jeux de play, hein, mais. La distance elle est convenable. Ça peut être un peu plus élevé, mais c'est pas le cas. Et aussi un truc à dire, c'est que en fait ce que c'est une arène, cette map là. Hein. En gros, si vous allez là, je peux pas traverser, hein, mais si vous allez vers là, sera tout plat. Vous verrez que dalle. Mais tout est plat, voilà. Si par exemple, si une fois je crève et que je me fais expulser de ma map, vous verrez tout est plat. Et parfois je suis allé tellement loin, je suis allé en dehors de la map. Et j'ai pu tomber dans un ravin infini, voilà. Parce que les limites de la map étaient atteintes. Bon, allez. On va le tuer lui. Il est où? Voilà. Boum. Et mon pneu va le toucher en plein fouet. Boum. Coup fois 1. Et plus en fait combo, et plus vous allez faire. Je vais pas dire mal. Ouais, il s'envolait. Et il va exploser en plein dans les airs. Ok, alors on n'a pas vu exploser. Tiens. Boum. Fois 1. Oh non, la fumée, il faut que je l'évite. Parce que si je vais dedans, je vais perdre plein de vie. En gros, c'est une sorte de fumée qui nous intoxique et que ça peut faire caler le moteur en fait. Donc il faut vraiment faire gaffe.
Il y a plein d'aspects comme ça, hein. Vous pouvez caler, vous pouvez... en fait, non, on peut juste caler. Mais il y a plein de trucs qui sont sympas, quoi, au niveau des maps. C'est ça qui fait la plus grande force du jeu, je trouve. Par exemple, là, je vais vous montrer un truc tout con. Et merde, il a un truc sur lui. Tu sais quoi, tu vas quand même voler. Il pourra pas sauter d'avance, normalement. Allez. Bouge là. Attendez, je vais vous montrer un truc. Je sais plus ce que c'était. Ah oui, bon, ça c'est... Là, vous voyez, il y a une boule qui roule. Le truc là, si je détruis les renforts, regardez ce qui va se passer. Hop là, elle va commencer à rouler. Elle serait une boule qui vous permettra, par exemple, par la suite, de... Oh, comment elle a volé. On va tuer lui. Et merde. Wow, je me suis touché moi-même. Ça nous permettra de faire des dégâts si quelqu'un le touche, quoi. Là, par exemple, c'est un truc de pétrole. Ah, il y a le boss qui arrive. Là, c'est un truc de pétrole. Si je le détruis, bah, il y aura des flammes qui vont sortir du sol et ça permettra de toucher les ennemis, quoi. Là, faut vraiment que je fasse gaffe parce que j'ai vraiment plus de vie. Faudrait que je récupère un truc vert. En essayant de ne pas détruire les cuves. Attendez, il faut être précis, là. Voilà, un peu plus à gauche. Et nickel. Et merde, on a détruit un. J'espère que ce sera pas le game, enfin, game over. Ça va pas être chiant par la suite. Voilà, un truc qu'il faut faire en fait, vous appuyez sur. Tirez, tirez, tirez et vous faites que ça. Ou tirez et changez d'arme. C'est ce que mon père il fait et ça marche pas bien pour lui. Hein. Faut juste savoir viser quoi. Et maintenant tu voles. Hop là. Hasta la vista. Boum. Et il y a un truc qui est bien, c'est que il y a le système de comment dire, de poids qui est pris en compte. Oh merde, il m'a tiré le spécial dessus. Il est en train de me tuer là. Ouais, je peux ramer. Je perds de la vie, c'est un dot qui me met en fait. Ah oui, j'ai oublié de vous. J'ai dit, on peut se faire caler, comme je vous l'ai dit. On peut se faire crever des pneus en allant sur les mines. Donc pendant quelques secondes, vous pouvez pas trop avancer, vous serez à une vitesse réduite. Vous pouvez vous faire enflammer. Vous pouvez aussi vous faire enlever vos armes. Avec un spécial d'un personnage, en gros, si vous tirez bien sur l'arme, mais votre arme elle se décroche de votre véhicule, et vous l'avez dans le cul, quoi, hein. Tout le sens du terme. Et on va tuer de loin, on va essayer de l'avoir. Si ça marche pas, je vais lui faire un petit bababa avec ça. Voilà. Je l'ai raté. Ah, je l'ai eu là, vous avez vu. Oh non! J'ai tiré tellement vite que mes deux missiles sont touchés entre eux. Et là, je l'ai raté. Ouais, je peux le tuer en lui fonçant dessus, vu que j'ai un véhicule lourd, regardez en bas à gauche. Vous avez vu toute la vie que je lui ai enlevé? Non, je vais de nouveau le foncer dessus et normalement ça va l'achever. Ça passe, on a tué ce métal, y a pas ça. Y a pas ce genre de truc quoi. Et merde, il va recevoir l'invisibilité là. Ah, fait chier. Tant pis. Je vais attendre mon tour. Hein. Dès que c'est fini, ben. Il va souffrir. Donc là par exemple, si je. Oh, y a de la vie là-bas. De la vie, et oui, et non, oh si, ouf. Donc là par exemple, si je veux aller prendre le spécial qui est au-dessus, la boîte verte, vous allez voir, hein, il faut que je fasse le tour comme avant. Mais vu que j'ai mon truc sur moi, je peux faire tac, et c'est un petit raccourci, et hop là, hein, voilà, je peux passer par là, et je peux avoir l'objet quand même, quoi. Hein. Allez, on va prendre ça, et on va achever notre ennemi. Ah bah tiens, en plus j'ai reçu un truc vert. Non, regardez, je fais... le tuer de la meilleure manière qui soit. Donc en gros, vous le tuez. Allez, viens ici, arrête de fuir. Oh mais non. Pff, il a reçu un truc vert maintenant. Voilà, pas que je rame. Et il a reçu en plus un truc qui casse la cible. J'ai oublié le nom, hein, donc je dis qui casse la cible parce qu'on dirait que la cible elle est cassée. Voilà. Sinon, j'ai pas grand chose à vous dire. Au niveau de la musique, je trouve vraiment énorme. Hein, ça colle vraiment bien dans le. Voilà. La boule que j'ai détruite avant, elle est retombée contre moi. Il a du coup pris un truc vert, putain. Il le fait exprès. Hein. Ouais, donc au niveau de la musique, c'est vraiment pas mal. Hein. Regardez ce truc là aussi, j'aime bien. Vous le détruisez et. Ah non, c'est pas ici. En général, le truc il tombe. Il se casse quoi. Donc quasiment tous les objets du décor sont destructibles hein, et ils sont vraiment bien modélisés au niveau de la destruction hein,
C'est vraiment pas mal. Hein. Un truc qui peut être pas mal aussi, c'est vous attirez les ennemis ici et vous détruisez les bâtiments. Parce que parfois, ce que ça fait, comme vous avez vu, ça crée une sorte de bombe de choc. Et si c'est en proximité, ça fait hyper mal. Bon, allez. Oh, leur contre-lumière. C'est fou, hein, c'est moi le cinquième qui reçoit. Moi, par contre, ce qui est chiant, l'intelligence artificielle, elle est moyenne. Hein, mais vous pouvez régler ça dans les options. Là, je suis en mode super, donc. Et merde, il a de la vie. Enfoiré. Vous pouvez changer la difficulté, il y en a 3, hein, donc. Mais encore de la vie, non. J'hallucine. Non, tu l'auras pas. Tu l'auras pas. Voilà, connard. Et coup fois 1, et il va voler. Non. Ah non. Encore une fois. Il veut pas crever, hein, franchement. Et dès qu'il ne reste plus de verre, voilà. Maintenant, je vais le tuer comme ça. Allez, viens là. Voilà. Spécial. Normalement il va exploser. C'est le touche, attends. Eh ben non, il n'a pas touché, attends. Tant pis. Là regardez, il va s'envoler. Ah là ouais, vous allez voir. En fait c'est une arène. Tout ce qui est autour, vous voyez, tout et il n'y a plus rien après. Ça pouvait pas se terminer autrement. Piétendre. Ah je peux pas. Ah non, je crois que je pouvais traverser cette fois. Et vous avez vu, il y a une sorte de ravin là, juste de l'autre côté. Et le truc il est vraiment haut hein. Allez. Non, moi je crois que. Oh, même pas, j'ai la cinématique quoi. Tant pis. Enfin voilà, c'est Vigilant 8. Je vais donc faire une partie en arcade pour vous montrer un petit peu le jeu avec un bon personnage. Et je vais essayer de mettre la musique, enfin l'album quoi. Ah oui, je vais mettre ce niveau là, il est vraiment pas mal. La base secrète. Je vais aussi vous montrer les ennemis en même temps, tiens. Moi par contre, il y a de grandes chances que je crève, que j'ai mis en difficile. Je vais vous montrer les voix des personnages. N'oublions pas la mission, ok? Ok. N'oublions pas la mission, ok? Je vois pas qui c'est doubleur. Parfois il y a des doubleurs connus, genre des doubleurs de. Qui faisaient Solid Snake, tout dans le genre quoi. Waouh! J'arrive, pauvre Plouk! Ok. Waouh! J'arrive, pauvre Plouk! Je vois pas qui c'est. Eh, on va s'éclater, ok? Tu es prêt à jouer, mon frère? Genre un stéréotype quoi. Hey, les capteurs ne détectent aucune forme de vie intelligente. Ça va être drôle. Hein. Ça vous connaissez. Bouclez vos ceintures, décollage immédiat. Oh attendez, attendez, je crois que j'ai trouvé la voix là. Bouclez vos ceintures, décollage immédiat. C'est la voix de Raven. Comme t'es garçon. Oui, c'est vrai. Mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'excelle. Le tirage d'oreilles Eskimo. Bouclez vos ceintures, décollage immédiat. Bouclez vos ceintures, décollage immédiat. Ah, c'est lui. Ah, trop fort. Peut-être moitié humaine, mais 100% femme. Peut-être moitié humaine, mais 100% femme. Là, ça ressemble pas mal à la voix de Sniper Wolf. Parce qu'il faut savoir un truc, à l'époque-là de la PlayStation, c'était souvent les mêmes doubleurs qui étaient choisis. Hein. Donc je me souviens... Oh non, je vais pas vous le dire, je vais vous laisser ça en suspens. Waouh, j'ai le rythme dans ma peau. Ah bon, là, ça c'est pas un doubleur connu, ça. Hein. Waouh, j'ai le rythme dans ma peau. Tu vas sentir passer les piqûres. Viens visiter l'arrière de mon car. Il est con. Viens visiter l'arrière de mon car. Et le dernier. Ça commence à sentir le roussi. Attends. Ça commence à sentir le roussi. Ça veut pas penser la voix de... je crois que c'est Richard Gere, non? Ça commence à sentir le roussi. On dirait que c'est la voix de Richard Gere. La voix française, quoi. Bon, niveau de personnage, je vais prendre. Ah, lui. Waouh, j'ai le rythme de choc. Hein. Voilà. En gros, ce que ça fait, là, je choisis le nombre d'ennemis qui vont venir. Donc, je tue une fois lui. Dès qu'il va crever, ben, il va revenir une seconde fois. Il aura plein d'armes toute la vie. Donc, voilà quoi. Hein. Il faudrait le retuer à 100%. Bon, je vais essayer de changer la musique du jeu. Donc la base secrète, c'est un niveau secret. Hein. Base secrète, niveau secret. Vous pouvez aussi changer la musique dans le jeu. Hein. Enfin, ici. Hein.
avoir un aperçu des différentes musiques, qui est vraiment vraiment pas mal, hein, je trouve, dans le jeu. Ah, j'adore cette musique là. C'était la musique de la démo, parce que en fait ce jeu là je l'ai reçu en démo et j'avais Boogie, je crois, hein, qui était là. J'adore cette musique, franchement j'adore. C'est une musique qu'on pourrait passer dans la voiture qui collerait bien, je sais pas, ça fait. Moi je vais pas vous laisser jusqu'au bout, hein, juste un petit peu le moitié du refrain. Pas du refrain. Vraiment pas mal. Ça c'est la musique de base, hein, de l'intro. C'est la musique. En fait, je crois que c'est chaque. Tiens, ça n'a rien ça. Ah si, oui. Chacune de ces musiques, c'est la musique d'un des niveaux en fait. Hein. Vous avez vu, c'est varié, hein. Ça va de la country ou avec un petit peu de rock ou du boogie quoi. Mettre la musique 12, hein. De toute façon je vais le changer. Bon, ne bougez pas, je vais mettre le CD. Hop là. Ah, là ça marche. Bon, là je devais mettre la musique, enfin l'album de Meteora parce que j'ai le vrai, mais j'ai mis le second album de Linkin Park vu qu'il voulait pas le troisième. J'espère que je n'ai pas des problèmes de droit. Hein. Ça, normalement j'ai accès à la vie et les objets. Allez, j'ai mis une mine spéciale là. Ça va approcher tous les ennemis qui viennent dedans. Ça permet de les emprisonner en fait. Je peux faire des combos à l'infini tant qu'il bouge pas. Merde, j'ai raté. Le mieux étant son spécial, hein. J'ai pris ce personnage là, il est assez faible, mais il a un spécial qui est énorme. Et je vais vous montrer aussi autre chose, regardez, hein. Un truc que j'adore faire. Si on détruit ça, l'avion va décoller. Et s'il y a des gens qui sont sur le chemin, ils vont se faire quasiment happer, voilà. Ouah, vous avez vu là? Il peut plus bouger. Je passe au milieu. Je mets un petit missile, enfin une petite mine. Regardez. Il va se faire démonter. Bah il est mort, voilà. Et si vous passez derrière, vous allez vous faire ramer par les flammes. Oh, je perds pas mal de vie là. Allez, on va se casser. Normalement,
Il va décoller l'avion, vous allez voir. Et c'est des gens qui sont au milieu, il va les écraser. Oh, nickel. Regardez le bus. Voilà, je suis mort. Ok. Je me suis fait tuer à cause du van, en fait. Il m'a collé contre le mur. Bon, il y a des petits problèmes graphiques, hein, vous avez vu. Mais ça vient pas du jeu, hein. C'est la sauce d'original. C'est malin, ça. Enfin, voilà. Bon, bah, je pense que je vous ai montré le jeu, hein. J'aurais bien voulu montrer une partie complète, parce qu'il y a encore d'autres choses que je vais montrer. Par exemple, les missiles nucléaires qu'on peut envoyer dans le niveau. Ou encore un extraterrestre que l'on peut découvrir. Plein de choses comme ça, hein. Ce jeu est vraiment gorgé de bonus, hein. Enfin, voilà. Donc, sur ce et cette fin de musique, je vous dis à la prochaine. Et ciao! Bye.